En fait, j'ai peur que nous, la communauté enfin, les membres de la communauté GTA, on se lasse trop rapidement de ce DLC-là. Alors, salut les potos. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors, je vous jure, les frérots. À peine là, j'ai lancé l'enregistrement. Ça me donne même pas envie de tourner cette vidéo. Parce que j'en ai marre de tout simplement, mais tout simplement, de tomber sur des gens qui ont une case en moins. J'en ai marre de tout simplement de tomber sur des gens qui n'ont pas les lumières à tous les étages. Donc là, les frérots, comme vous pouvez le voir à l'écran et au gameplay, là, j'ai vu un export exotique. Donc le véhicule, c'est la Infernus classique. Donc là, je décide de la livrer bah, à bon port, hein, comme d'habitude. Et là, comme vous pouvez le voir derrière, il y a une joueuse. Ça se voit que c'est une meuf, hein. Bah, qui me suit, qui me prend en course poursuite. Donc là, regardez-moi ça. Regardez. Ah, mais il y a quoi, mais derrière, hein? Ça veut le véhicule export exotique, à ce que je vois. Donc, en fait, les potos, pour être clair avec vous, ces deux joueurs me suivaient. Donc, la meuf, elle était en véhicule de flic. Après, encore une fois, les frérots, le comportement de cette joueuse, alors il était étrange, parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que tout simplement, la meuf, elle me suivait en véhicule de flic. Alors, je sais pas si la meuf, elle voulait jouer un rôle RP. Vous voyez dans les serveurs RP, là, quand en mode, y a la police qui chasse le voleur, etc. Donc, c'est pour ça. Donc là, regardez, donc là, je livre le véhicule. Et regardez ce qui va se passer par la suite. L'autre. Il va m'interpeller ou je rêve là, il veut quoi? Il ou elle veut quoi? Ce qu'il veut? What? What? Hop! Mais what? Donc là les poteaux, vous l'avez bien vu, hein, à premier abord. Je les ai laissés m'approcher, hein. Donc les deux ils sont venus à moi, j'ai pas tiré sur eux directement. Et là, je vais vous remettre le replay de comment ça s'est passé. Ils veulent quoi les deux là, MDR? Ils veulent quoi les deux gugus là? Et là par la suite la meuf elle commence à avoir un trash talk désagréable. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi un trash talk, c'est en gros elle a des propos bah elle a des propos de déchets quoi. Là vous avez vu, hop, regardez ce qu'elle m'a envoyé comme message. Stupid doggy. Donc en gros, je suis un chien stupide, quoi. Et c'est pas ça, les potos, ça, on ne s'arrête pas là, hein. La meuf s'est pas arrêtée par là, hein. Enfin, elle s'est pas arrêtée sur ce message-là. Donc là, vous avez vu, donc elle m'a envoyé stupid doggy. Et après, bon, par la suite, elle a quitté la session, hein. Vous avez vu, hop, Lina, je sais pas quoi, a quitté. Et son pote aussi a quitté par la suite. Et je vais vous montrer bah, les messages qu'elle m'a envoyé dans le PSN, les potos. C'est juste aberrant de voir un genre de comportement comme ça, quoi. Alors, tu me poursuis, hein, tu me prends en chasse-poursuite, t'as voulu me taser, hein, t'as bien tenté de me taser avec ton pote. Et après, tout simplement, quand tu vois que je me défends, bah, c'est là que tu m'insultes. Ah là là, bah, sur GTA, ça va vite, les potos. Hein. Regardez, je vous montre les screens maintenant. Donc, pour commencer, je lui envoie un point d'interrogation de pourquoi en mode elle m'a insulté. Et elle m'a dit find job. Find a job, ça veut dire trouve-toi un travail. You complain me. En gros, tu me plains. XD. Et les potos, par contre, j'avais oublié de screen les autres messages, mais c'était franchement violent. Hein. En gros, tu vois ce que je veux dire. Elle a eu des propos un peu racistes, mais je vais pas les mettre dans la vidéo pour éviter que. Voilà. Hein. En tout cas, les potos, donc là, je vous remonte le message, hein. Stupid doggy.
En plus, je tiens à préciser, c'est une Russe, hein. Encore une fois, voilà quoi. T'es une grosse rageuse. Lina, si tu passes par là, t'es une punaise de rageuse. Ok, on me dit à l'oreillette que tout simplement, si vous vous défendez contre une certaine Lina pour exporter un véhicule export exotique, vous allez vous faire insulter gratuitement par une Russe comme elle.